Vincent Chapurla, professeur IMT Minales, directeur adjoint du laboratoire des sciences des risques, qui est une unité propre de recherche de l'IMT Minales et qui sera impliqué dans cette chaire. Alors la construction de cette chaire est un travail qui a commencé il y a très longtemps, qui a pris toute son amplitude et son essor à partir de janvier 2022. En discutant avec nombre de partenaires à la fois académiques et industriels qui ont su nous aider à détourer et à concentrer l'attention de nos recherches sur certaines problématiques liées ou qui utiliseraient le jumeau numérique. Comme tout enseignant-chercheur d'une IMT, d'une école de l'IMT, notre finalité, notre ADN est de faire une recherche finalisée et appliquée en industrie. Donc une chaire est un dispositif qui est tout à fait en phase avec cette finalité, d'autant plus que cette chaire tout particulièrement concentre les efforts de recherche de trois écoles, de trois équipes, de trois écoles différentes et de trois industriels, et donc est un terreau très fertile à l'atteinte de cette finalité. Comme tout dispositif de thèse, que ce soit sur une chaire ou financé par un autre dispositif, par exemple comme une CIFRE, je vais être le directeur de la thèse qui va être développée par IMT Minales, en étroite collaboration, et c'est absolument crucial et nécessaire. D'une part, entre les encadrements des trois thèses et les trois doctorants devront aussi beaucoup collaborer, et en étroite collaboration avec les trois industriels qui sont de même impliqués dans cette chaire.